C'est un circuit hors du commun qui débute au Vallon des Eaufs et se termine au Vallon de la Bodille, en plein cœur du 7e arrondissement de Marseille. À l'origine de cette balade extraordinaire, Jean-Marc Dandreux. Lassé de faire son jogging sur la corniche, ce jeune retraité a créé son propre parcours et cela fait 3 mois qu'il le fait découvrir aux Marseillais et touristes. Malmousque, Anse de la Fausse Monnaie, Villa Valmer, Bompard, Jean-Marc emmène ses visiteurs dans des lieux insolites aux allures de paysages de cartes postales. Marseille est une ville absolument magnifique, avec des bords de mer, avec ses collines, avec la campagne qui est à la ville. Bah écoutez, c'est un véritable bonheur pour moi de faire cette balade. C'est un gros casse-blanc secret que je fais découvrir avec beaucoup de plaisir aux gens. On passe à côté de jardins splendides, de très belles maisons. Et finalement, voilà, je me suis fait mon petit parcours. Et puis, au bout de quelques mois, je me suis dit pourquoi ne pas le partager avec un certain nombre de personnes. Quand j'ai des touristes qui ne connaissent pas Marseille, c'est un enchantement parce que dès qu'ils arrivent au Vallon des Eaufs, ils sont émerveillés. Ce n'est que silence, luxe, calme et volupté, si je puis dire. Et c'est réussi, les touristes sont sous le charme et repartiront avec de beaux souvenirs. J'ai trouvé ça super, très insolite, pas commun en fait, c'est ce qui m'a plu. Puisque nous avons découvert des endroits incroyables, des petits sentiers insoupçonnables de la rue en fait. Ils nous amenaient vraiment dans des endroits cachés, magiques, très 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 chouettes. Oui, des points de vue que je ne pensais pas qu'on pouvait avoir à Marseille. Quoi. Des très beaux points de vue. On a pu rentrer un petit peu dans des... Il y avait quelques portails ouverts et on a pu rentrer et voir des choses magnifiques. Ben, je recommande vivement, le guide est parfait, très sympathique. Le circuit peut se pratiquer jusqu'en octobre et les touristes doivent payer 20 € pour une excursion de 3 heures.